Salut Gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WoW. Donc on commence avec un humain guerrier cette fois-ci, donc côté alliance. Encore une fois, ça va être deux vidéos par race. Parce que sinon ça fera beaucoup trop et je vous avoue que sinon j'aurai jamais le temps de tout faire. Sachant que il y a quand même l'histoire hein, que j'ai à faire de WoW. Donc je vous avoue que du coup ça me bloque un peu. Du coup on va lancer. Avec l'humain guerrier, on est sur le serveur Spinebreaker. Donc Spinebreaker plutôt. Et du coup voilà. Hein. Donc c'est parti. Et puis à la fin du deuxième épisode, on fera la nouvelle classe. Hein. Voilà, donc c'est parti. C'est parti, je vous laisse l'introduction pour ceux qui connaissent pas, mais c'est vraiment, je pense, la plus connue en fait, avec les orques. Donc il est possible qu'il y ait des classes que je ne fais pas, parce que c'est possible qu'ils commencent au même endroit que d'autres classes, d'autres races. Enhardis par le retour de leur héros et roi, Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le... La campagne en Orfandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Voilà. Donc on commence. Hein. Bien sûr, le jeu est en français. Cependant, ça veut pas forcément dire que du coup, Un plaisir de vous rencontrer. Forcément dire que du coup, ce sera sûrement que des anglais, hein, tout simplement. Heurte-toi, attendez, parce que du coup, moi, quand même, de mon côté, mine de rien, il me faut quand même mes barres d'action. Sinon, en vrai, je suis pas bien. Hein. C'est sans mes barres d'action, je suis pas bien. Hein, je vous le dis direct. Hein. Alors, on ne juge pas parce que je connais pas super bien la classe. Je dois m'approcher. Donc, tout simplement. Donc, c'est sûrement une très bonne classe parce qu'il y en a plein qui jouent avec. Mais personnellement, ok. Je saisis un peu le truc un peu plus facilement. J'ai également le côté de la fouille automatique. Donc voilà. 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 Donc ça va assez vite en vrai, mine de rien. Hein. Voilà. Voilà encore une fois. Hein. Voilà. Donc, écoutez, peut-être que c'est un personnage que je vais refaire de mon côté. Et puis voilà. Hein. En vrai, merde. En vrai, on sait pas. Hein. Je ne peux pas encore l'utiliser. Ah, niveau 8 requis, super. Je commence déjà à loot des trucs au niveau 8. Donc encore une fois, on est ensemble pour l'équivalent de 30 minutes, voire 40 minutes, plus 30 minutes. Et puis voilà. Hein. Bien sûr, il faudra que je monte une classe au niveau, un grand niveau. Allez dans le... Donc c'est ce qu'on fera avec, du coup, une classe. On verra encore laquelle. Hein, je sais pas encore exactement laquelle, mais on verra au moment venu, de toute façon. Je dois m'approcher. Voilà. Voilà. Et puis j'espère que ça vous plaira en vrai. Heure de bouclier. Ok. Donc je connais pas encore totalement mais les avantages hein, que je peux avoir grâce à ça.
Je ne suis pas à portée. À quoi? Ah ouais? Ah, ça one shot? À quoi? Je dois m'approcher. Ok. Bah écoute, je sais pas. Je pensais pas que j'allais one shot, hein. Trop proche. Ok. Parfait. Et ben franchement, tu vois, je suis choqué que. Je suis choqué d'avoir one shot en vrai. On s'en fout. Attends. Quoi? Mais pourquoi je one shot et des fois je one shot pas? Je sais pas. Et en vrai, c'est. Bah, c'est pété. C'est clairement pété. Et là, fais voir. Trop loin. Ouais, c'est clairement pété en fait. Après, faut... c'est vrai qu'il fait un truc qu'il faut pas oublier non plus. C'est que, bah, y a le côté également où quand tu. Ok. Quand. Quand t'attaques pas la personne, je crois que tu fais un, peu, un tout petit peu plus de dégâts. En plus, on vient. Du coup, hein. Ok. Ça c'est quoi? Brise genou. Ok, je butille l'ennemi. Ok. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais. Faut que j'assassine des gobelins. Et faut que je soigne des trucs d'hurlevent. Paladine, je soigne, j'adore soigner. Puis il prend des dégâts. Eh, hey, franchement, franchement, ça a l'air une bonne classe quand même, hein. Voire mieux qu'avant, hein, limite. Hein. Enfin, la première fois que j'ai testé, du moins, attention, hein. Pas forcément dire que. Que c'était nul, mais moi du moins j'ai galéré un peu, je galère un peu plus quand même. Ah c'est ça, tu fais largement plus de dégâts. Putain. Limite sont là pour one shot quoi. Il me faut une cible. Allez viens mon Ray. Genre peut-être, ah. Peut-être des sorts à faire plus facilement et dans un certain ordre. Enfin des attaques, pas des sorts, parce que c'est pas des sorts, c'est des attaques là du coup en l'occurrence. Mais en vrai là tout de suite, si je vois pas trop. Je sais sur vous. Salut. Que pas ton tailleur. Ok, ça c'est quoi? Ivresse de la victoire, ok. Donc encore une fois. Encore une fois, c'est une attaque. Je n'ai pas de cible. Ok, je peux vraiment pas. Ok. Ok, oups. Oups, ça. Oupsi. Allez dans l'honneur. Comment allez-vous? Ok, je vais devoir éteindre et puis les armes et tout. Ça, je me rappelle très bien. Ah, je me rappelle, putain, quand je vois Cataclysme. Fallait, tu sais, fallait voir les trucs comme ça, là. Mettre des démonises, des démons et tout. Salutations. Et c'était génial, en fait. Prenez soin de vous. C'était réellement génial.
j'adorerais personnellement. Là. Oh dommage. Alors, est-ce que j'aurais pu les one shot? Ça, je me demande. Ah, super. On va faire ça, de toute façon, en même temps. Hein. Doudou. T'es en vie. Trop loin. Ok. Et eh ben écoute, c'est parfait, hein. Au moins ça c'est fait. Voilà, au moins on est tranquille. Voilà. Ça, c'est la même merde. Tiens. Tiens. Alors, c'est sûrement un peu à comprendre un peu le système. Ok, c'est fini. Un peu ce système là, mais bon. Faut que j'arrive à comprendre, puis après ça ira très bien. Quoi, des gardes? Mais j'ai pas, on a pas vu de voir des gardes jusque là, si. Je sais pas, c'est normal, remarque. C'est peut-être clairement normal. Maîtrisez voulant vous lever votre bouclier, bloquer les attaques pendant machin. Ok, parfait. Honneur au roi. Alors oui, clairement. Clairement honneur au roi. Hein. Bon, on va aller faire le petit monsieur qu'il faut tuer là-bas. Puis voilà. Let's go. Hein. Donc, je suppose que je dois faire masse de dégâts à partir d'un certain niveau. Ou tout le temps en fait, même. J'ai vendu. Fais-toi aussi simple que de dire simple. Voilà.
passer entre les deux, mais incognito. Voilà. Puis là, je level up, hein, normalement. La lumière soit avec vous. Ah, j'ai droit à un marteau. Oh. Je perds de l'armure, celui-là. En vrai, peut-être veut me prendre le marteau de la milice, hein. Vaut peut-être mieux, hein. La lumière en Vénus. C'est quoi ça? Quoi la volée? Voilà. On va apporter le document. Eh mais d'ailleurs. Non mais attends, tu vas pas me dire que ici c'est déjà fait quand même. Ah mais peut-être que si en fait. Ah mais c'est aussi court que ça cet endroit. Non, quand même pas. Bah je vais faire jusqu'au niveau 13. Parce que là si c'est aussi court que ça, ça va être un peu embêtant quand même. On va parler à l'auberge Bergeon, hein, je sais pas quoi là. Voilà, comté de Loire. Bon, c'est super long par contre. Là, je me rappelle quand je faisais ça, tu fais toutes les quêtes des environs, tu choisis, tu dis bon, je commence par où? Je commence par le royaume de l'Ouest ou l'autre là, je sais plus le nom exactement, j'avoue. T'es là, oh, putain, je commence par quoi? C'est quoi ça? Cracheur de feu. Que la journée soit bonne. Bonjour. Honorer la flamme de la forêt d'Elwin. Bah, en vrai, je m'en fous un peu, je t'avoue. Tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il y en a qui parlent anglais et tout, tu vois. Salutations. Tu vois, la marge de l'Ouest, c'est ça. C'est allez, la marge de l'Ouest, le nom. Bah, regarde, un bouquet de lancer. Ah, on gagne plus en vrai. T'en prendre ça, hein. Voilà, hein, clairement. Hein. Eh ben écoutez, j'ai peut-être même peut-être pouvoir en fait. Niveau 10, ouais. La paix du héros. Sinon, je passe niveau 10 en vrai. Donc ça fait un épisode pour celui-là. Oups, je suis assis. Donc ça fait. Ouais, ça fait un épisode pour celui-ci, ça va. Ouais, c'est pas dégueulasse. Je vois plus tard. C'est clairement pas dégueulasse. Donc on va faire cette quête là. On va rester par ici, hein. Que puis-je pour vous? Allez dans le nœud. Pour l'alliance. Une mine. Que puis-je pour vous? L'échange de la poussière. Faites un bon voyage. Que la journée soit bonne. Rému de foi veut vous parler au maréchal machin. Faites un bon voyage. On va le faire. On se voit plus tard. Ouais, les trucs là, c'est au même endroit. Ok, on va les faire aussi. On va parler au monsieur là. Un plaisir de vous rencontrer. Allez dans l'honneur. La là. Lumière vous bénisse. Regarde Thomas. Et clairement, le garde Thomas, il va aller se... Hein? Mais j'en pense pas, moi. Hein.
Bah, on va considérer que le niveau 10 c'est niveau maximum pour certains personnages. Parce que j'ai pas du tout souvenir que c'était aussi rapide. J'aime pas les araignées, si j'aime bien. Non mais je vais pas te tuer, c'est pour ça que je me suis écarté. Je suis pas un criminel d'araignée moi. Oh puis tu l'auras cherché hein. T'es morte. Monsieur, je ne suis pas à portée. Je dois m'approcher. Faut pas partir. Faut rester tout près. Moi je suis gentil, alors faut que tu sois gentil aussi. Poussière d'or. Ah, ça se fait tranquille. Il s'est barré en plus le bougre. C'est pas loin. C'est pas possible. Tu vois, je posais toujours la question. Je sais pas où est-ce qu'il a pu aller. Hein. Ah bah ouais, il est là. Oui, il l'a au moins touché une fois, donc en vrai... Bon, je sais pas. En vrai, hein, clairement. Est-ce que je fais les bonnes choses? J'en sais strictement rien. Hein. J'ai pas compris. Il me fait no, mais pourquoi? Je ne suis pas à portée. Je sais pas. Il s'est fait embarquer, mais laisse tomber. Bon, désolé si vous entendez ces coups du cul hein, avec leur musique de merde. Bon, faut que je me prépare à sortir là. Si on en a avoir deux dehors. Oh putain.
je peux faire de l'onde des haches. Hein. Oh non, t'abuses. Ah. Oui. Oui. Voilà, le temps d'aller rendre. Hein, si ça fera à la fin de la vidéo. Et puis on passera sur un autre personnage. Parce que là, tu vois, il y a un grand espace, mais on sait tous pourquoi. Enfin, tous ceux qui jouent à WoW savent pourquoi. Mais on pourrait pas le deviner comme ça. Mais c'est pas une erreur, tu vois. On se voit plus tard. On se voit plus tard. En plus, je level up. Oui, mais de voilà, hein. Je Allez, peux pas. Pour l'alliance. Explorer la mine. La mine. La lumière vous bénisse. Une mine. Eh ben, écoutez les gens, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que en vrai, cette petite partie là, on voit clairement. On peut le voir avec n'importe quel personnage, donc je vais pas vous spoiler un peu plus, sauf si vous le demandez. Donc du coup, je vais par conséquence vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était JDGaking. Allez, ciao tout le monde.